Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la routine du soir en hiver du coup, où on a rentré les chevaux parce qu'il faisait de la pluie tout simplement. Vous nous voyez rentrer les poods là et les quatre autres en bas. Et la vidéo sera en voix off. Donc bah voilà. Notre routine commence toujours à 17h45 et le soir j'y vais toujours avec mon père. Donc là, on est en train de descendre une balle parce que bah, je l'avais terminée le matin et donc il faut bien les nourrir, voilà. Non, en vrai, ça va. Ici, tadam ! C'est la petite truc. Mais elle est méchante. Oh là, tu fais semblant, tu m'énerves. Je commence toujours par donner aux veaux, enfin aux genisses dehors, comme ça elles restent bien dehors et bah, elles ne rentrent pas embêter les grosses vaches. Moi je vais la. Donc on commence toujours par leur donner un petit peu à toutes et après on remet à tout le monde en fait. Le premier tas c'est juste pour qu'elle se calme et que tout le monde en ait. Ensuite, après le premier nourrissage, du coup, je vais racler derrière et remettre de l'eau dans la bassine bleue pendant que mon père fait le nettoyage de l'intérieur. Ensuite, je fais les granulés et donc bah pareil, pendant ce temps, papa il fait les. Enfin, il nettoie derrière. Et puis bah voilà, je donne à toutes environ une boîte. Elle a ouvert la porte. Oui! Non, mais je te jure! Pas trop trop. Décidément, cette vidéo c'est un fail. Là, comme ça va déborder de coin. Aucun souci. Toi, pas n'importe quoi. T'es grosse comme une vache, j'ai envie de dire. Toi, beaucoup. Pas le mouillage là, je pense. Une fois que les granulés sont donnés, du coup, je retourne derrière. Donc, quand mon père a terminé, je vais mettre soit des copeaux, soit de la paille, soit du mouilla. Donc, le mouilla, c'est juste les graines de foin en fait qu'on ramasse bah, où on donne le foin en fait, on balaye et on le ramasse et on le met en dessous d'elle. Comme ça, il n'y a vraiment pas de gâchis. Et du coup, bah, vous me voyez faire ça. Ensuite, eh ben, on recommence, on redonne du foin. Donc je commence pareil, toujours par derrière. Comme ça, elle reste bien tranquille. Et après, bah, je fais les deux portes qui sont destinées à moi. Parce que mon père, il fait la troisième. Ça va, mais... Il n'y en a pas trop, là. Non, bah, il y en a assez. Hein. Et tu n'auras pas si faim. Elle n'est pas chaude. Elle a vu son granulé. Elle n'a pas encore de la boîte.
Bah non, elle a pas peur, non. Donc ensuite, eh ben, on s'en va et on laisse Stéphanie, bien sûr, à l'écurie parce que c'est sa place. Puis on redescend une balle, donc c'est pareil, c'est la même chose que tout à l'heure. En fait, c'est parce que je pense que je n'aurais pas eu assez le lendemain matin. Donc je préfère en avoir pour être tranquille. Et puis le matin, c'est un peu plus compliqué pour en descendre parce que du coup, mon père est pas là. Et ça nous l'a. Ouais. Et donc, on a terminé les vaches et on va chercher les chevaux, du coup, et les ânes, bien sûr, que vous voyez sur la vidéo, pour les rentrer parce que ce soir-là, il annonçait une grande tempête de pluie avec du grand vent. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que les ânes avaient leur couette parce que toute la journée, il n'y avait pas fait très beau. Elle veut pas rentrer ? Et la jaquette. Les sanons, c'est moi. Hop. La jaquette. Allez, Nico. Nico. Allez. On n'a pas vu sous la route là, mais elle a grandi. Ah ouais. Et du coup, comme vous voyez sur les images, on dépose les poneys du coup à côté des vaches à la place des petits veaux quand ils naissent. Mais tout ça a été expliqué dans la vidéo préparation des box. Donc voilà. Il est sage, hein ? Laisse tes sanons! Laisse-les tranquilles! Oh, l'excité! Didi, arrête! Mais qu'est-ce que... Les sanons, ils sont tous sages! Ça va, mon binoc? Oui! C'est tes sanons, hein? Oh là! Non, indien, n'aie pas peur! Allez, go! Au box! Oh là! Oh là! Indien! Oh! On attend que papa y passe! Voilà, allez go. Ah tiens, 2 secondes. Toi tu vas pas là. Elle y était directement ici en fait. Ouais, il comprend pas trop, indien. Il a pas encore compris qu'il était au paddock. Donc, comme vous voyez sur les images, on dépose les juments à leur place. Donc, elles avaient déjà tout de préparé. Donc, leur foin, leur paille, leur eau et leur granulé. C'est pour ça qu'elles sont calmes d'ailleurs, parce qu'elles mangent leur granulé. Voilà. Et donc après, on rentre les ânes, mais ça, vous n'avez pas d'image. On leur a aussi enlevé leur couverture, etc. Ils avaient tout de préparé aussi, leur granulé, leur foin, leur paille, leur eau. Et du coup, là, on donne le foin aux vaches, parce qu'il ne faut pas les oublier. Il faut aussi qu'on les nourrisse et qu'on leur nettoie leur chambre. Non, elle est pas contente. Regarde, regarde. Elles sont pas trop mouillées, elles ont dû bien se mettre à l'abri au dessous du sapin. Vous entendez la pluie, mais c'est non. Là, vous êtes pas en dessous. Le mousquetaire, il est pété, c'est chiant. Tu vois, il revient pas. Ah, faudrait le graisser. Il semble soit taqué. Là,
un truc au vin. Oui, il est tout mec. Ils chient toujours là. C'est leur chiotte là. Ah, du coup, on est dans leur chiotte là. Ouais. J'ai les pieds dans les chiottes. Et donc là, vous me voyez mettre les couvertures des anneaux asséchées parce qu'elles étaient beaucoup trop mouillées pour qu'on les remette dans la maison. Sinon, ça aurait goûté sur le plancher, c'était pas top. Et après, je prépare les granulés pour les mettre aux ânes dans leur foin parce que du coup, je l'avais pas préparé, je sais pas pourquoi. Et la grosse là-haut. Elle a encore faim. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous dis à demain parce qu'on n'a pas encore décidé de quel jour on va poster les deux vidéos par semaine. Du coup, on continue sur samedi, dimanche, et quand on sera décidé, vous serez prévenus sur YouTube et sur Instagram. Voilà, bisous. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I